Alors bonjour, bonjour à tous, bonjour chers membres de la GS Partner, citoyens de l'Alliance World ou désireux d'être citoyens de l'Alliance World. Ben, ce matin, soyez salués de la position dans laquelle vous vous trouvez. Ben, ce matin, cette petite vidéo démonstrative, c'est pour pouvoir expliquer, répondre à la préoccupation de certains d'entre nous. Ben, certains leaders me disent, mais tu sais, je voudrais être citoyen de tel ou tel pays, mais je n'ai pas la totalité de l'Alliance World. Est-ce que c'est possible? Ben, ce matin, je vais dire que c'est possible. On peut être citoyen d'un pays ou bien prendre position comme président, vice-président ou sénateur ou maire d'un pays, mais sans avoir présentement la totalité. C'est-à-dire que tu vas compléter ton membership. C'est tout, si vous voulez, ta citoyenneté graduellement au fur et à mesure. Et ce matin, cette vidéo, justement, est à cet effet pour montrer comment cela est possible. OK, sans plus tarder, je vais faire le partage de mon écran pour que vous puissiez expliquer un peu comment il s'agit. Mais présentement, nous sommes dans le dashboard de mon compte de GS Partner. Je vais faire la traduction en français. OK, c'est le même panorama que tous les partenaires ont. Donc, je vais venir dans mon tableau de bord de l'Alliance World. Donc, tableau de bord. Donc, comme ici, vous pouvez le constater, ben, on va choisir un pays. Bon, je vais être citoyen d'un pays. Je vais choisir un pays par hasard. Angola. Ben, je vais prendre Angola. Pour être citoyen en Angola, il me faut 1289,65 Legions Lion. Mais présentement, je n'ai pas les 1289. Ben, c'est possible de le faire. J'ai juste à cliquer citoyen. Vous voyez ici mon solde, il me reste 0,55 Legions World. Ben, je peux dire, ben, présentement, je n'ai pas tous les moyens, mais je vais ajouter, je vais mettre 0,55. Ah non, ça, c'est le compte de Jeff, excusez-moi. OK, Angola, 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 Angola. OK, excusez-moi, j'ai juste à venir ici comme citoyen de l'Angola. Donc, puisque je n'ai pas la totalité, mais j'ai encore un solde, j'ai 1,68. Mais je vais choisir un pays comme Angola. L'Angola. C'est juste un exemple que je vais vous montrer. L'Angola. Donc, présentement, comme je vous ai montré tout en haut, pour être citoyen de l'Angola, comme vous-même vous l'avez vu, pour être citoyen de l'Angola, il me faut 1289. Mais présentement, je n'ai pas les 1289, j'ai juste que 1,6 Legions Lion. Mais je veux me positionner comme citoyen, ben, pas de souci. Je viens juste ici dans Hard Country. Et je mets mes 1,68 parce que c'est le solde qui me reste et j'ai choisi Angola. Et je clique là. Donc, quand je clique là, vous voyez que Angola est en train de se remplir. Vous voyez? Déjà, je suis en train de. Ma position de citoyen d'Angola est en train de se consolider. Présentement, je n'ai pas encore les 1000. 1800, vous voyez, si je clique là-dessus et que je vienne là, voilà ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire, il me reste 1287,87 pour être membre, pour être citoyen de l'Angola. Donc, si jamais j'ai encore d'autres pièces, j'ai juste à cliquer là. Si j'ai encore un certain nombre de pièces, mais j'ai juste à ajouter encore mes pièces. Et au fur et à mesure, je vais le remplir au fur et à mesure que, ben, que j'aurai des pièces. Donc, voilà cette présentation que j'ai voulu faire. Mais là, on peut venir devant me dire, mais comment je peux acheter encore, avoir des Legions Lion? Mais on peut acheter des pièces G99. Donc, j'ai juste à venir dans mon panorama Legion Lion. Donc, je clique ici sur G99 Voucher. Je clique sur Next. Bien, selon que je vais investir 99 dollars ou 299 dollars, ben, j'ai juste à cliquer sur 299 dollars. J'ai choisi la crypto-monnaie que j'ai, si j'ai du Bitcoin. J'ai juste à cliquer sur Next. Vous voyez ici, soit j'emmène toute la totalité de mon montant, ben, je le garde en pièces G99. Soit je peux choisir de mettre la moitié dans mon Legions World.
Donc, je choisis de mettre la moitié, ou soit je mets toute la totalité, c'est-à-dire la conversion de ma totalité de mes 99 dans le Lydiant Lion. Donc, j'ai juste à cliquer là. Et ensuite, comme c'est l'Angola que j'avais choisi, vu que je veux compléter Angola, mais j'ai juste à cliquer là, Angola. Donc, on me dit que, donc, vous voyez, avec mes 299 dollars, donc cela va me donner un 301 Lydian Lion, mais vu que je veux le mettre en Angola, j'ai juste à sélectionner Angola. J'ai juste à sélectionner Angola et puis ben, je viens juste et je clique sur Next. Juste là. Et que je valide. Mais là, vu que je n'ai pas de Bitcoin suffisant pour le faire, donc voilà pourquoi. Donc, c'est ce petit partage-là, c'est cette petite vidéo que j'ai voulu faire, partager avec tout un chacun d'entre vous pour dire que oui, c'est possible. Tu n'as pas besoin d'avoir la totalité de tout le mois, tous les Lydiant Lion Coins pour être citoyen d'un pays, mais tu peux le faire graduellement. On a encore le temps. Tu peux le faire sur un an. C'est sûr que le positionnement comme président, vice-président, sénateur et maire, on a 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre. Mais pour être citoyen d'un pays, ben, on peut le faire à tout moment. Donc, présentement, tu n'as pas tous les moyens, mais tu peux présentement commencer à remplir le pays dans lequel tu veux être citoyen. Ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être les États-Unis, un État aux États-Unis, ça peut être les Caraïbes, peu importe le pays dans lequel tu veux être citoyen, ben, en fonction des moyens que tu as graduellement, tu achètes tes G99 et tu les convertis en Lydiant Lion, comme tout à l'heure, je viens de vous le présenter. Pour que tu positionnes le montant, la conversion de G99 à Lydiant Lion, tu le positionnes dans le pays dans lequel tu veux être citoyen. Comme tout à l'heure, je viens de faire la présentation pour l'Angola. Donc, sur ce, merci et bonne journée à tous. Et à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker. Vous êtes d'être. Voilà, c'est ça, pour activer la cloche. Et comme c'est là, toutes les vidéos que je vais poster pour que vous puissiez avoir la notification. Pour ne rien rater sur la G99. Donc, n'oubliez pas, apprendre, apprendre, apprendre. Parce que c'est lorsqu'on apprend que ben, on sait c'est tout ce qui se passe dans tout l'écosystème. Et comme on dit aussi, dans certains endroits, on va dormir moins niaiseux. Donc, merci à tous et bonne journée.